Bonjour tout le monde. D'après une alerte du ministère de l'Éducation nationale du Mali en 2016, le niveau scolaire des enfants maliens depuis 20 ans s'abaisse de jour en jour. Et cela peut être dû à des parents d'élèves qui sont très occupés et ils manquent de temps pour se déplacer dans les établissements scolaires de leurs enfants ou bien à ces établissements scolaires qui manquent cette innovation de stratégie de suivi scolaire. Avec aussi la venue du 19e siècle, avec cette révolution technologique, ça nous a fait passer de la mécanique au numérique. Alors, c'était un défi pour nous de créer un canal direct entre ces établissements scolaires et ces parents d'élèves. Notre solution digitale s'appelle Suivisco. Suivisco est une application mobile qui permet aux parents d'élèves de suivre la scolarité de leurs enfants à travers un nom d'utilisateur et seulement un mot de passe. C'est aussi une plateforme digitale pour ces établissements afin qu'ils puissent insérer toutes les informations concernant leurs élèves. Parce que le « nous » a de la valeur. Nous sommes trois jeunes Maliens, tous souciants de l'éducation de notre pays. J'ai nommé Sori Ibrahima Diarra, développeur web, Abdoulaye Traoré, développeur web et mobile, et ma modeste personne, Berthe Kourotoumou, 23 ans, ingénieur en administration réseau système. Nous voulons nous attaquer à ce défi qui est majeur. Actuellement, nous avons un prototype bien mis en place, le premier, qui va être implémenté dans un lycée sur Bamako, le lycée Hexagone. Nous avons passé toute une journée à interagir avec les parents d'élèves de ce lycée. On leur a sensibilisé sur le fait que l'application Suivisco sera très accessible. Alors, quel qu'en soit leur niveau intellectuel, ils pourront s'adapter à l'utiliser correctement. Suivisco, notre solution digitale, elle est très simple. Très facile à utiliser et on fournit moins d'efforts. Parce que nous savons que nous sommes en Afrique et nous savons que nous sommes au Mali. Et plus de 50% de ma communauté ne sont pas alphabétisés. C'est pourquoi nous avons bien pris en compte ces enjeux et nous avons bien misé sur la simplicité. Nous avons bien misé sur l'innovation. Et surtout, nous avons bien misé sur la créativité. Mais la seule question que nous nous posons, c'est est-ce que vous, public, c'est est-ce que vous, Maliens, mais c'est est-ce que vous, parents, vous l'adoptez. Je vous remercie.